Bonjour, bonsoir Internet. Je dis à nous parler des questions-réponses ou même qui t'a remis comme conduit ici aux États-Unis. Premier bail, vous avez besoin pour qu'on licence ici. Vous avez besoin de passer un test électronique. Test ça, même je vois le titre là, c'est questions-réponses. Vous pouvez poser des questions ou même pour répondre. Mais ce n'est pas un monde physiquement qui pose des questions. C'est sous un ordinateur. Vous voyez, c'est ordinateur ça qui pose des questions ou même pour répondre à une question qui est vraie. Immédiatement, on t'apprend une question qui n'est pas bonne. La fois qu'on a une question pour la fois, qui n'est pas bon. Et vous avez minimum de questions pour passer tes ça. Vous avez supposé prendre 40 questions. Dans 50 questions, vous posez. Et vous avez un nombre de temps limité. Et vous avez un nombre de questions pour apprendre qui est vrai, qui faut pour tout retirer dans le test. Ok? Ou même si vous avez besoin de faire, vous avez besoin de préparer, vous avez besoin d'apprendre les questions. Là où vous arrivez sous vous pour qu'on connaisse ça qui est bon et ça qui n'est pas bon. Et bien, c'est ça que nous allons connaître dans la vidéo. Ça. Donc, pour devoir, pour une fois qu'on connaît ces 4 questions. Mais questions plus que ces 4, c'est sur en pile. Mais nous allons pour devoir, sous suivre nos sous-channel, ça, sous ta besoin qu'on ait questions. Et questions aussi posées qu'on ait, et au besoin qu'on ait. Non seulement pour passer le test là, mais son chauffeur ou allié. Ou supposer qu'on ait tout principe, toute règle. Eh bien, pour qu'on ait, c'est la question-réponse là. Ça qui passe, ou pour avoir besoin d'étudier la question ça, pour qu'il y ait le maximum possible qui est capable dans la tête. Et là, on va aller passer l'examen ça, il est possible pour qu'on réussi l'examen ça. Mais si vous n'avez pas fait aucune recherche, vous n'avez pas étudié aucune question, vous arrivez à votre couillon égaré, vous ne pouvez pas le faire. Ok? Eh bien, suivez-nous, nous allons commencer la première question. Mais avant tout, quittez-moi tout ça. Chaque question a venu avec 4 réponses. Il a venu ensemble avec 4 réponses. Par exemple, première question nous gagne là. Le mando signe ça veut dire qui ça? Bon yon signe qui gon image la donne et il gagne un bagage qui écrit la donne. Alors, il écrit en anglais, il va il pas trop nécessaire, il pas trop obligatoire, c'est lui ou supposé connait qui ça qui écrit la donne, mais puis devant on pourrait connaître bien facile. Et pour qu'on signe ce qui ça signifie, et bien c'est pas ça écrit là-dedans pour pas connaître. Mais les deux signe ça, qui ça lui voulait dire. OK? Qui ça signe ça voulait dire. Pour le côté, nous pour aller pour 5 de 1 à 5 pour nous voir vraie réponse. Vraie réponse là, c'est ça. Côté où est la flèche là, bas là. C'est vraie réponse là. Ok? Nous partons pour la deuxième question. Nous pouvons le compter de 1 jusqu'à 5. Pour nous avoir une vraie réponse là. Vraie réponse là,
C'est ça. Côté où est tu flèche la baille là. C'est une vraie réponse là. Nous pourrons le compter de 1 jusqu'à 5. Pour nous avoir une vraie réponse là. Vraie réponse là, c'est ça. Côté où est tu flèche la baille là. C'est vraie réponse là. Nous pourrons le compter de 1 jusqu'à 5. Pour nous avoir une vraie réponse là. Vraie réponse là, c'est ça. Côté où est tu flèche la baille là. C'est vraie réponse là. Nous pourrons le compter de 1 jusqu'à 5. Pour nous avoir une vraie réponse là. Vraie réponse là, c'est ça. Côté où est tu flèche la baille là. C'est vraie réponse là. Nous pourrons le compter de 1 jusqu'à 5. Pour nous avoir une vraie réponse là. Vraie réponse là, c'est ça. Côté où est tu flèche la baille là. C'est vraie réponse là. Nous pourrons le compter de 1 jusqu'à 5. Pour nous avoir une vraie réponse là. Vraie réponse là, c'est ça. Côté où est tu flèche la baille là. C'est vraie réponse là. Nous pourrons le compter de 1 jusqu'à 5. Pour nous avoir une vraie réponse là. Vraie réponse là, c'est ça. Côté où est tu flèche la baille là. C'est vraie réponse là. Nous pourrons le compter de 1 jusqu'à 5. Pour nous avoir une vraie réponse là. Vraie réponse là, c'est ça. Côté où est tu flèche la baille là. C'est vraie réponse là. Nous pourrons le compter de 1 jusqu'à 5. Pour nous avoir une vraie réponse là.
vraie réponse là, c'est ça. Côté où est-ce flèche là, bas là. C'est vraie réponse là.